Et bien bonjour à tous, c'est Nixin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur Genshin Impact, on va parler de Naida. Ça va être un guide le plus complet possible sur le personnage. On va d'abord aller voir en détail ce qu'elle fait et pourquoi, et ensuite, on va aller faire le showcase de plusieurs teams. Donc Naida, c'est l'archonte d'Endro, et on peut dire qu'elle mérite bien son titre, car elle est devenue l'incontournable dans les teams d'Endro. C'est un personnage qu'on peut jouer à tous les niveaux, DPS, sub-DPS, off-field, on-field, support. Donc voilà, donc quasiment tout est possible. Pour moi, c'est le personnage le plus versatile du jeu, avec Bennett et Kazuha, bien entendu, tant elle apporte aux réactions élémentaires. C'est ce qui la rend incroyable, en fait, surtout grâce à son application d'Endro et ses buffs, qu'on va voir en détail juste après. Donc on va commencer par les bases essentielles de Naida. Alors déjà, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est important de comprendre pour être plus à même d'anticiper ce qu'elle pourrait faire dans diverses teams. Donc on va commencer par son auto-attaque. Alors son auto-attaque, elle a un ICD, mais pas sur son attaque chargée. Même si son attaque chargée, on ne va quasiment jamais la faire. L'auto-attaque, elle a une range linéaire, c'est-à-dire que ça tape devant Naida, et c'est plutôt fait pour du corps à corps. Et l'attaque chargée, c'est une AOE, donc une Area of Effect, qui a une hitbox assez haute, mais pas non plus super large. Ensuite, on va passer à la compétence élémentaire de Naida. C'est l'une des mécaniques de Naida la plus importante. Donc la compétence permet de marquer jusqu'à un maximum de 8 ennemis avec une graine qui va les relier entre eux. Dès que vous allez déclencher une réaction élémentaire, un bourgeon, une exubérance sur un ennemi marqué, tous les autres ennemis liés et marqués vont recevoir un dégât d'Endro qui va scale en fonction de l'attaque et de la maîtrise élémentaire de Naida. C'est-à-dire 165,1% d'attaque plus 330,2% de maîtrise élémentaire au niveau 8 de la compétence. A noter que les dégâts d'Endro sont déclenchables toutes les 2,5 secondes et que le marquage sur les ennemis reste 25 secondes, ce qui est énorme. Vous pouvez quasiment faire 2 rotations complètes sans reposer vos graines. Alors il y a deux manières de déclencher la compétence. Tout d'abord, on a l'appui simple qui va marquer jusqu'à 8 ennemis maximum dans un petit rayon autour de Naida. Et un appui long qui va fonctionner différemment, ça va déclencher le mode photo, entre guillemets, de la compétence élémentaire, et tout ce qui se trouve dans votre champ de vision va être marqué. On va pouvoir marquer des ennemis à plus longue distance, comparé à l'appui simple, par exemple dans les abysses, il n'y a aucun souci, et il y a aussi une technique sympa pour les joueurs PC, et aussi un peu mobile, pour marquer plus vite les ennemis avec l'appui long. Donc si vous avez un DPI élevé, c'est-à-dire une grande sensibilité, avec votre souris ou un taux de rafraîchissement élevé avec votre écran de téléphone, vous allez pouvoir faire un rapide 360 comme ceci pour couvrir un plus grand angle plus rapidement et être sûr de toucher tous les ennemis, même ceux qui sont derrière vous. A noter que quand vous êtes dans le mode appui long, vous aurez une résistance à l'interruption. Donc même si vous vous faites taper, vous recevrez des dégâts, mais vous n'irez pas valdinguer vers d'autres cieux. Donc c'est plutôt utile. Ensuite, on va passer à l'ulti de Naida. Alors l'ulti de Naida est super important. C'est ce qui va conférer un buff élémentaire à toute l'équipe. Alors en effet, Naida va créer un dôme qui va conférer différents bonus quand elle va être sur le terrain dans son dôme. Déjà, l'attaque va être boostée de 23,8% s'il y a un personnage pyro dans votre équipe, ou de 35,7% s'il y en a deux ou plus. Il y a aussi une diminution d'intervalle entre les dégâts d'Endro de la compétence élémentaire de 0,4 secondes s'il y a un perso électro dans l'équipe, et de 0,6 s'il y en a deux ou plus. Et enfin, un boost de durée de son ulti s'il y a 1, 2 ou plus le personnage hydro dans la team à hauteur respective de 5,35 secondes et 8 secondes, donc cet effet est super intéressant pour les teams Bloom. Le temps de recharge de l'ulti est de 13,5 secondes, et il dure minimum, sans buff hydro comme on a vu précédemment, 15 secondes. Et il faut aussi noter que tous ces buffs sont appliqués sur le E de Naida. Donc on va pouvoir déclencher l'ulti quasiment à chaque rotation, et il restera sur le terrain autant de temps que la durée de recharge. Un peu comme l'ulti de Ganyu pour comparaison si vous voulez. Ensuite, l'un des passifs de Naida est primordial pour la jouer en off-field en tant que sub DPS. On parle ici de la compassion illuminée qui va apporter 25% de maîtrise élémentaire de Naida à tous les personnages qui sont dans son dôme de son déchaînement élémentaire, à la manière d'une sucrose ou d'un Kazuha C2. Il faut juste savoir qu'ici, ça va être un maximum de 250 de maîtrise élémentaire conférée au personnage. Donc c'est-à-dire que si votre Naida a plus de 1000 de maîtrise élémentaire, ce surplus sera inutile pour le passif. L'autre passif important, c'est l'éveil élucidé. À chaque point de M au-delà de 200, les dégâts de sa compétence élémentaire augmentent de 0,1% et son TC de 0,03% pour un maximum de 80% de dégâts de sa compétence. Et de
de 24% de son TC en plus. Donc si je prends Manaïda qui sans aucun buff extérieur a 937 de maîtrise élémentaire, elle aura du coup 737 points de M consacrés à son passif, ce qui me fait, après un rapide calcul, plus de 73,7% de dégâts en plus et 22% de taux critique en plus aussi. Ce passif est très important à considérer dans vos builds d'artefacts, on va y revenir juste après. Donc voilà, on a fait la partie la plus technique de la vidéo, j'espère que vous avez survécu. Maintenant, on va passer aux armes. Alors, la meilleure, bien évidemment, ça reste son arme de signature qui va conférer des buffs aux autres personnages de l'équipe et qui va conférer 265 2M à Naïda au niveau 90. C'est une arme qui va bien marcher pour Naïda en off-field. Ensuite, il y a la vérité de Kagura qui va lui conférer du dégât critique et un bonus de dégâts sur les compétences élémentaires de Naïda avec son passif. Cette arme marche essentiellement sur Naïda DPS on-field, mais aussi en off-field. Donc une option aussi free-to-play, c'est l'Atlas des Terres et des Mers, qui avec son passif facile à proc et cumulable, il va être plus que viable pour booster les dégâts perso de Naïda. Cependant, au niveau 90, il va lui conférer seulement 110 de maîtrise élémentaire, ce qui est assez peu, donc vous pourrez en manquer. Ensuite, on peut aussi citer l'étoile du soir errante en raffinement 5, qui, si vous jouez Naïda en on-field, sera tout aussi intéressante qu'un Atlas. Ensuite, on a la mémoire des rituels, donc pour une option off-field et pour prendre pleinement partie des buffs que Naïda confère à la team avec un haut apport en maîtrise élémentaire, c'est selon moi l'option la plus versatile que j'ai trouvé, du moins pour ma Naïda et pour mon compte. Et enfin, je pourrais aussi citer le guide de magie en raffinement 5 qui pourra être joué dans les teams suractivation, hyper bloom et bloom, et qui est facile à raffiner du coup. Si vous n'avez aucun de ceux que j'ai cités, il y a le code de Favonus et le mouvement vagabond. Maintenant passons aux artefacts. Alors ici il y a deux variantes. Dans ces deux variantes il faut considérer son passif éveil élucidé dont on avait précédemment parlé, qui est aussi super important pour le build. Tout d'abord il y a le 4 pièces souvenir de forêt qui va baisser la résistance d'endro des ennemis de 30%. Vu que les bonus de set ne se cumulent pas, s'il y a déjà un autre personnage porteur de ce set dans la team, vous pouvez partir sur un 4 pièces rêve doré comme moi qui va donner un boost de maîtrise élémentaire à Naïda selon les types d'éléments des personnages de la team. Donc essayez de ne pas dépasser les 852M sans buff sur les statistiques globales de Naïda, parce que sinon ça va être inutile comme je l'ai dit précédemment. Et en plus l'alternatif, on pourrait aussi citer le 2 pièces souvenir de la forêt et le 2 pièces rêve doré. Et au niveau des main stats, sur le sablier et la coupe, vous pourrez partir sur de la maîtrise élémentaire, même s'il y a des cas où la coupe d'Endro peut être meilleure, ça reste quand même situationnel. Et sur le casque, une stat critique ou de la maîtrise élémentaire, ça dépend de vos substats encore une fois, des artefacts et des armes, ainsi que de votre maîtrise élémentaire. Et au niveau des substats, il faut se concentrer sur du TC, du dégât crit, de la maîtrise élémentaire bien évidemment, et un peu d'attaque, vu que Naïda avec son E scale l'attaque, mais c'est pas forcément nécessaire. Et au niveau de la recherche d'énergie, on n'a pas forcément besoin, si vous êtes à 120, il n'y a aucun problème. Maintenant on va passer aux constellations. Donc, comme vous l'aviez sûrement entendu dans beaucoup d'autres vidéos, Naïda n'a pas besoin de constellations, du moins pour avoir des performances incroyables, même avec un build claqué au sol, comme ce que j'avais pendant longtemps sur elle, j'avais seulement un boost de 2 pièces rêve dorées, et bien elle fonctionnait super bien quand même. La C1 est sympa, car vous aurez au minimum un buff des différents éléments avec quoi le dôme pourra réagir, et la C2 est juste exceptionnelle, car elle va apporter un buff à l'ensemble des réactions en lien avec le dendro, les réactions de bloom, hyper bloom, bourgeon, et brûlures vont pouvoir infliger des coups critiques, ce qui n'est normalement pas possible avec des réactions classiques, en plus d'une diminution de 30% de la défense des ennemis lors d'une réaction d'endro primaire avec de l'électro. Ensuite, la C4, elle augmente la maîtrise élémentaire de Naïda en fonction des ennemis marqués sur le terrain, donc c'est plutôt intéressant aussi, c'est pas must have, mais ça reste, comme je l'ai dit, assez intéressant. Et la C6, c'est un boost pour Naïda on-field sur ses attaques normales et chargées. Et au niveau de ses aptitudes, il faut prioriser tout d'abord la compétence élémentaire, ensuite le déchaînement élémentaire, et enfin l'auto-attaque, vu qu'on la joue rarement, sauf on-field, et c'est pour ça que je l'ai jamais monté, parce que je joue quasiment jamais ma Naïda en on-field, mais elle reste quand même intéressante à élever, mais c'est pas la priorité. Donc pour finir, voici mon build et mes stats globales. Alors il faut savoir que du coup tous les shots que j'ai record lors de cette vidéo vont être faits avec le set que j'ai. Donc ici je suis en 4 pièces rêve doré avec cette fleur là, cette plume là, un sablier EM, une coupe EM et un casque taux critique. En arme, en mémoire des rituels, et du coup elle est à 937 de maîtrise élémentaire avec 56,118 de taux crit dégâts crit et 120,1 de recharge d'énergie. Ok, alors maintenant vu qu'on a vu l'essentiel sur Naïda, on va passer sur le showcase des teams. Alors je pourrais pas faire de showcase complet pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a des personnages que je n'ai pas dans ma box ou alors que je n'ai pas monté, et surtout il y a déjà plein de vidéos en français qui showcase beaucoup de teams avec Naïda. Alors ici je vais plutôt me concentrer sur ce que j'ai, sur les nouveaux personnages qui sont sortis aussi depuis que Naïda a fait son apparition en 3.2, et aussi sur une team en particulier pour chaque catégorie de réaction élémentaire.
élémentaire avec le Dendro, et on va essayer de trouver des teams assez atypiques à jouer, parce que c'est quand même un petit peu le but de la chaîne. Et aussi disclaimer, ça va être du coup un showcase de teams, on va pas faire un guide complet sur chacune des teams, parce qu'il y en a tellement, ça va pas être possible. Donc je vais en parler du coup assez brièvement à chaque fois, mais vous inquiétez pas, il y a quand même toujours des choses à prendre. Donc on commence tout de suite avec les teams Hyperbloom. Alors les teams Hyperbloom ont dans leur composition un perso Hydro, Electro et Dendro pour créer des graines suractivées à balancer sur vos ennemis, en plus de fournir de la suractivation qui va booster les dégâts Dendro et Electro de la team. Ici, Naïda en tant qu'applicateur off-field ou on-field Dendro va pleinement remplir son rôle. Et pour le dernier slot, vous pourrez prendre un flex tel qu'un Anemo, un Geo ou alors un doublon des trois éléments qu'on a cités. Il y a une multitude de variantes comme un main DPS Hydro, Hayato, Tatralia ou bien Electro comme Sinnoh en Hyperbloom où c'est l'une de ses meilleures teams. Mais si vous voulez une team efficace en on-field, vous pouvez combiner Naïda avec une Cookie en quête Elite, full EM sur le sablier, la coupe et le casque, un Xingqiu pour appliquer de l'hydro en mono cible et un flex comme un Anemo par exemple Kazuha pour contrôler les ennemis, ou alors un Zhongli pour le bouclier et encore une tonne d'autres personnages que je vous ai mis justement dans une petite tier list. Donc il faut juste savoir que si vous avez Zhongli en tant que flex support ici, il est possible de lui mettre le 4 pièces souvenir de forêt et Naïda le 4 pièces rêve doré pour maximiser le boost de dégâts élémentaires de toute l'équipe. Mais si vous avez Kazuha dans la team, le choix d'artefact est plus complexe, vous pouvez l'équiper aussi du 4 pièces souvenir de la forêt si vous voulez faire plus de dégâts au niveau des Hyperbloom, ou bien rester sur un 4 pièces verte chasseuse pour booster ses propres dégâts. Pour résumer et dire ce que je pense de ces teams, c'est qu'elles fonctionnent super bien en Abyss, les dégâts sont au rendez-vous, et le réel avantage, c'est que cette composition est vraiment versatile, et avec un coût assez bas en termes d'investissement. Dans la même veine des teams Hyperbloom, on va parler des teams suractivation, qui vont utiliser cet état de la résultante du Dendro et de l'Electro sur l'ennemi pour pouvoir booster les dégâts de ces deux éléments. Comme sur toutes les teams, l'EM ici est important, et les compositions d'équipe sont nombreuses. Et si on ne veut pas que les autres réactions élémentaires empiètent sur la réaction de suractivation, on pourra tout de même prendre un personnage flex comme du Geo ou de l'Anemo. Ici, Yae, Fischl et Sinnoh vont briller. Et depuis l'ajout d'Alaitam dans le jeu, cette team est incroyable. Ici, vu que je n'ai pas Yae, Sinnoh ou Alaitam, je suis parti sur une composition Naïda, Cookie, Full EM, Fischl en 4 pièces tonnerre et dernière corde. Et en dernier slot, un Kazuha en 4 pièces verte chasseuse pour le boost de dégâts élémentaires. Les dégâts sont satisfaisants, je n'ai pas eu de problème de recharge d'énergie. Et au niveau du soin de Cookie, elle fait toujours aussi bien le taf. Donc je vous conseille de jouer cette team. Après, si vous avez pool, tous les archons, vous pouvez aussi vous faire une team suractivation, donc la team Archon. Ici, Raiden pourra équiper le 4 pièces emblème ou souvenir de la forêt avec le plus de maîtrise élémentaire possible. Venti ici en 4 pièces verte chasseuse et Zhongli en shield, donc en 4 pièces millélite. Sa météore va pouvoir apporter du contrôle sur les gros ennemis que Venti ne pourra pas packer. Et le combo Naïda-Raiden fonctionne super bien, donc je suis quand même assez surpris des performances et de la jouabilité de cette team à ce niveau-là. Ok, alors maintenant, on va passer sur la partie des réactions avec le pyro et on va commencer par les teams brûlure. Ça a toujours été une réaction assez médiocre si vous la jouez toute seule, mais elle peut quand même fonctionner. Ici, l'accent est mis du coup sur la réaction de brûlure, donc il faut maximiser la maîtrise élémentaire encore une fois pour être sûr de faire plein de petits dégâts avec cette réaction. Et il y a plusieurs variantes ici, dont la plus populaire, c'est celle avec Bennett, Shangling, Kazuha et Naïda. Donc dans cette team là, je trouve que Bennett est indispensable pour pouvoir booster les dégâts pyro aux ennemis et de même pour Kazuha. Alors il y a plusieurs variantes, hein. On pourrait prendre à la place de Shangling une Deya qui pourrait faire aussi pas mal de dégâts à ce niveau avec son ulti ou encore un Thomas pour appliquer le pyro constamment sur le terrain en off-field. Au niveau des flex, je trouve que Kazuha est essentiel aussi, au même titre que Bennett. Vous pourrez aussi jouer cette team là avec une Sucrose ou un Venti pour pouvoir packer les mobs, ou alors une Yao Yao pour le soin, même si Bennett reste quand même super intéressant et super viable à ce niveau là. Alors après, il y a aussi une autre team assez atypique que j'aimerais vous présenter, c'est la team Burning Load. Alors ce nom est un peu barbare, mais en gros la team va être composée de Naïda, Bennett, Kazuha et Fischl. Et le but est simple, donc avec l'application de brûlure, donc Dendro plus Pyro, on va pouvoir abuser de la réaction de surcharge pour pouvoir maximiser les dégâts. Ça fonctionne sur les boss parce qu'ils ne peuvent pas valdinguer dans les airs comme des petits mobs à cause de la surcharge. Et le fait qu'il y ait une application Dendro en continu et de l'électro aussi, les dégâts de surcharge vont être boostés, donc ça va faire de la suractivation. Ici, Fischl sera toujours en 4 pièces colère du tonnerre et dernière corde. Alors la team marche, bien qu'elle soit du coup atypique, après c'est le but de la chaîne, donc c'est pour ça que je vous la présente. Alors, bien que la réaction de brûlure dans Genshin Impact soit l'une des pires réactions, elle a quand même permis de révolutionner une composition de team en particulier. Je parle bien évidemment des teams Fonte. Alors on va en parler très rapidement des teams Fonte parce que j'ai déjà fait un guide sur Ayaka Fonte et je vais en faire un sur Ganyu, mais le principe
et simple, ça va être de combiner la réaction de brûlure qui va rester du coup très longtemps sur le terrain avec le E de Naïda et de combiner du coup tout ça avec du cryo pour pouvoir appliquer de la fonte inversée assez souvent. Généralement les compositions se jouent avec un shield comme Zhongli ou alors un Anemo comme Kazuha pour le boost de dégâts élémentaires, un Bennett pour appliquer l'état pyro et le boost d'attaque à toute la team, et enfin Naïda qui va servir à booster la maîtrise élémentaire de l'équipe et appliquer le Dendro pour faire de la brûlure sur les ennemis. Et enfin un main DPS cryo comme Ganyu ou Ayaka qui vont pouvoir profiter du coup de la réaction de brûlure pour pouvoir appliquer le plus de fonte possible. Ce sont des teams qui sont devenues très très fortes, car ici Naïda apporte plus une simple brûlure mais bien un boost de maîtrise élémentaire, ce qui est super important pour maximiser ses dégâts en fonte. Ensuite le dernier type de réaction avec le Dendro et le Pyro, ça va être les teams bourgeonnement, et notamment on va parler de Thomas en bourgeon. Alors je sais il y a plusieurs variantes au team de bourgeon, mais en gros le principe est très simple. On crée une graine avec du Dendro et de l'Hydro qu'on va faire exploser à la gueule des ennemis à l'aide d'un personnage pyro, notamment en off-field, pour pouvoir appliquer le plus souvent possible le pyro. Naïda va être ici en on-field pour pouvoir faire exploser les bourgeons. C'est une team qui fonctionne très très bien en multi-cible parce que les dégâts vont être notamment en AOE et le mono-cible aussi peut marcher, mais c'est pas non plus la meilleure des solutions. Bref, on va pas non plus en parler énormément de cette composition d'équipe parce que j'ai envie de faire un guide plus précis sur les teams bourgeons, mais sachez que ça existe et que ça fait le taf. Donc si vous avez un Thomas qui traîne dans votre box, c'est le moment de le sortir et de le dépoussiérer un petit peu avec une composition en équipe bourgeon. Alors faudra juste noter aussi que Thomas va falloir le jouer non pas en bouclier donc avec Sky PV mais plutôt avec full maîtrise élémentaire parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire énormément de dégâts avec le bourgeon. Et enfin on va parler des teams bloom, donc là ça va être non pas du bourgeon mais du fleurissement, c'est une réaction élémentaire primaire avec le Dendro qui consiste à appliquer de l'Hydro sur des ennemis marqués avec le Dendro de Naïda pour pouvoir créer des petites graines, sachant qu'il y en aura max 5 sur le terrain et après ces graines vont faire des petites explosions. C'est l'une des teams qui je trouve les plus intéressantes à jouer avec le Dendro. Pour parler du coup d'une team qui excelle ici dans la team Bloom, ça va être la team Nilou avec son passif qui va créer des graines spéciales qui vont faire plus de damage aux ennemis et qui vont exploser instantanément. C'est une team qui fonctionne super bien en Abyss et en Open World. Ici, Nilou va être build avec full PV en 2 pièces mérite et 2 pièces rêve doré. Donc l'ancienne composition de la team avec Nilou, le voyageur Dendro, Naïda, Kokomi a maintenant plusieurs variantes, comme par exemple remplacer Kokomi par Yao Yao et remplacer le voyageur Dendro par Xingqiu ou Yelan, ce qui peut pallier du coup au problème qu'avait la team auparavant, c'est-à-dire le manque de dégâts en mono-cible, parce que là du coup, vu qu'on apporte Xingqiu ou Yelan, qui va faire du coup des dégâts en mono-cible hydro et de façon importante, c'est une bonne option, voilà, si jamais vous voulez taper en mono-cible, et s'il y a moins de 3 ennemis sur le terrain, ou même contre des boss, voilà, ça peut fonctionner, et c'est assez fluide. Je vais pas trop m'attarder non plus sur les teams fleurissement, parce que je vais faire aussi un guide Nilou très prochainement, donc voilà, pas d'inquiétude, ça arrivera bientôt. Donc voilà, c'était un guide sur Naïda, j'ai essayé d'aborder le plus de sujets possible, avec le plus de teams possible, sans rentrer non plus dans les détails, comme je le fais tout le temps, parce qu'il va y avoir des guides spécifiques sur les teams juste après. Mais ce qu'il faut retenir sur ce personnage, c'est sa versatilité. Elle est au cœur des réactions Dendro et des teams Dendro. Donc si vous n'avez pas encore Naïda, j'espère que ce guide vous a permis de comprendre que c'est un personnage qui est tout simplement incroyable et qui est surtout une valeur sûre pour votre box. Donc n'hésitez pas une seule seconde à la poule, même si c'est en C0, elle reste super sans consolation, il n'y a aucun souci. Et pour l'instant, il n'y a surtout pas d'autre option aussi bien que Naïda, donc bon, voilà, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un guide Nilou, puis ensuite Ganyu, et moi je vous dis à la prochaine, salut.